Masechet Baba Kama daf Kuf Yud Zayin, on commence Bezrat Hashem au daf Kuf Tet Zayin Amud Bet à Katlin en bas. Haou Gavra de Arve Akaria de Chite de Veresh Galuta. Il y avait un homme qui avait montré au Goy un tas de blé de Resh Galuta. C'est-à-dire le Goy il venait voler la récolte des Juifs et donc il y avait un homme Haou Gavra de Arve qui a montré Akaria de Chite un tas de blé de Veresh Galuta qui appartenait à Resh Galuta. Et donc le goy l'a pris. Le goy, on appelle ça un anas, le goy qui est venu prendre de force, il a pris ce blé. Atale kamed Rav Nachman, rive Rav Nachman et shloumé. Il est allé chez Rav Nachman, Rav Nachman a dit qu'il est chayav de payer. Yatib Rav Yosef achore de Ravuna Bachia. Et Rav Yosef était assis derrière Ravuna Bachia. Yatib Ravuna Bachia kamed Rav Nachman. Et Ravuna Bachia était assis devant Rav Nachman. Amar le Ravuna Bachia de Rav Nachman, dina ou knasa. Ravuna demandait à Rav Nachman. Tu l'as rendu chayav en tant que din, ou ce n'est qu'une amende? Amar le matnitini, Rav Nachman a dit, c'est bien notre Mishnah. Detnan imachmat agazlan. Si le goy a pris à cause du voleur, un juif a volé un terrain et le goy l'a pris à cause du voleur, chayav la midlo, sadé. Le voleur est à l'obligation de lui payer un champ. Il ne pourra pas lui dire, récupère ton champ là où il est, tel qu'il est. Vokim nadeach ve'achvouye. Et on a expliqué notre Mishnah qu'il s'agit que le juif a dénoncé ce champ, il a montré le champ au goy pour qu'il le prenne. Et ça le rend chayav, donc tu vois que c'est un din. Et donc ici aussi, il doit payer. Il doit payer, c'est pas une amende, c'est comme ça l'alakha. Bata de Nafa, quand ils sont sortis là-bas, Amar Rav Yosef le Ravuna Bachia, Maynaf Kalachmine. Rav Yosef a demandé à Ravuna Bachia, qu'est-ce que ça te. Quelle importance pour toi de savoir, quelle nafkamina de savoir, idina ou knasa? Si Rav Nachman l'a jugé en tant que din ou en tant que knas, en tant qu'amende? Amar il lui a dit, c'est important de savoir pourquoi. Il dit Nagamrin Anmine. Si c'est comme ça le din, alors on va apprendre de là, on va comparer des autres cas à celui-ci. Il knas alogamrin Anmine. Si c'est un knas, c'est une amende. Donc c'est pas que c'est ça le din. Donc on ne peut pas apprendre de là. Ici, il lui a fait cette amende, mais ailleurs, on va pas le rendre hayav. Rashi explique que la question était sur un garmi. Alors grama, c'est-à-dire quelqu'un qui a causé un dommage à son ami. Il est pas tour bedine Adam. Il est pas tour, le bedine ne va pas le rendre chayav. Quand c'est garmi, c'est-à-dire il a rapproché un dommage de manière quasiment certaine, là, ça s'appelle garmi. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc un juif qui a dénoncé à un goy un champ, il a montré à un goy un champ à prendre de son ami, on le rend chayav. Si c'est ça le din, alors on apprendra de là pour n'importe quel autre garmi qu'il est aussi chayav. Parce qu'il a présenté un dommage. Un dommage évident. Mais si tu me dis ce n'est qu'une amende, alors on n'apprendra pas d'ici pour les autres cas. Demande à Gemara, omen atemra de miknas alogamrinan. D'où tu sais que si c'est un knas, alors on n'apprend pas de là, on ne va pas comparer d'autres cas à celui-ci. On dira oui, ici il est chayav, dans un garmi comme celui-là il est chayav. Dans un autre garmi il sera peut-être pas tour, on n'apprendra pas de là. D'où je sais qu'on ne compare pas un cas à un autre. Detania, barishona yomrim, au début on disait, amtame vamnaser. Celui qui a rendu tamé les fruits de son ami, ou qui a versé le vin de, qui a interdit le vin de son ami, menacer, il a mélangé avec du vin interdit, ou bien il a versé, en fait, il en a fait une offrande pour la Avodah Zarah. Rashi explique que menacer, ça veut dire il a fait du vin une offrande à la Avodah Zarah. Donc il l'a interdit. Il est chayav, même si le dommage est invisible, il est quand même chayav. Ensuite, les Chachamim ont dit, en fait, même le Medamea, celui qui a mélangé des fruits avec des fruits de Tourma, des fruits cachers avec des fruits de Tourma, enfin, cachers à la Tourma, aussi c'est cachers, mais des fruits choulines avec des fruits de Tourma, il les a endommagés parce que dorénavant, ça ne peut être vendu qu'un Kohen. Eh bien, lui aussi, il est Chayav. Chazrou in, lo chazrou lo. Tu vois, c'est que quand les Chachamim ont finalement décidé d'ajouter aussi le medamé à ce mélange, qu'on l'a rendu chayav. Mais avant ça, les Chachamim ne pensaient pas qu'il soit chayav. Ils voulaient distinguer entre les cas en disant, le garmi de metamé et menaser est chayav, le garmi de medamé n'est pas chayav. Maïtama, pourquoi? Lav mishum de knasa ou knasa le gamrin alminé. N'est-ce pas que la raison est parce que ce n'est qu'un knas? Et dans un cas, dans un knas, on n'apprend pas, on va pas comparer un cas à un autre. On va dire oui. Celui qui a rendu tamé, il est chayav. Celui qui a interdit le vin, il est chayav. Mais celui qui a mélangé, même si ça nous
paraît le même principe, il sera quand même patour. Donc tu vois qu'on ne compare pas un cas à un autre. La Gemara dit là, non, c'est pas ça la discussion. Mikar asavre lefsed merubeh chasheshu, lefsed moed lo chasheshu. Au début, les Chachamim pensaient que c'est que quand c'est une grande perte qu'on le rend chayav. Comme il a rendu tamé, c'est fini, on ne peut plus rien en faire. Il a interdit le vin, on ne peut plus rien en faire. Mais efsed muat, une petite perte comme ici, où ça peut se vendre à un Kohen, parce qu'on considère tous ces fruits-là comme Trouma, mais c'est pas une perte entière. C'est pas que les fruits vont à la poubelle. Donc il sera pas tour peut-être. Au début, on pensait dire qu'il est pas tour. Ou le basaf savre l'efsed muat ami chacheshu. Ensuite, les Chachamim m'ont dit non, même pour une petite perte, il est chayav. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Ve'atane avoua de Rabbi Avin. Il a enseigné pourtant le père de Rabbi Avin. Barishona yomri mamtame vamdamer. Au début, on disait, il a une autre version. Lui dit au début, on disait qu'il est chayav dans le cas de Touma, il a rendu tamé, et dans le cas où il a mélangé les fruits de Touma avec des fruits de Choulin. Chazroulama rafa menaser. Et finalement, ils ont dit non, mais le menaser aussi. Le menaser aussi qui interdit le vin pour la Vodazara. Il interdit le vin en l'utilisant pour la Vodazara. Il est aussi chayav. Donc tu vois que c'était pas évident de rendre chayav, de comparer les cas. Chazrouin, le chazroulo. C'est que quand les Chachamim finalement ont décidé d'ajouter aussi le menaser qui l'ont rendu chayav. Mais avant ça, non. Maïtahama, pour quelle raison? Lav mishum de logamrin al miknasa, n'est-ce pas que c'est parce qu'on ne peut pas comparer de la chod de knas. Ici, ce n'est qu'un knas, donc on ne va pas ajouter d'autres cas aussi. Lo. La Gemara dit non, c'est pas ça. On peut lui comparer un knas, un cas à un autre. Mais ici, pourquoi il pensait dire qu'il est pas tour? Mais Ikar a savré que Rabbi Avin, ou le Bassa a savré que Rabbi Irmiya. C'était, en fait, au début, les Chachamim pensaient comme Rabbi Avin, et ensuite, comme Rabbi Irmiya, la Gemara s'explique. Mais Ikar a savré que Rabbi Avin, au début, il pensait comme Rabbi Avin qui a dit, Dama Rabbi Avin Zarakret Mitrilat Arba, un homme qui a jeté une flèche pendant Shabbat. Il a jeté une flèche, donc, en début des quatre amotes. Ou le Bassaf Arba. Ou le Saf Arba, Vekara Shirain Balichato. Bref, un homme a jeté une flèche qui a traversé quatre amotes. Et dans ces quatre amotes, elle a déchiré un manteau. Pas tout. Shara Akira Tzorech Anachai. Puisque on considère les quatre amotes comme une seule Melacha, que depuis qu'il a soulevé l'objet, la flèche, depuis qu'il a jeté jusqu'à ce qu'elle atterrisse, c'est une Melacha, une longue Melacha, sur laquelle il est déjà Chayav Mita, ou Mitrayev Benafsho, il est Chayav Mita. Donc, il sera pas tour de payer sur tout ce qui va se passer dans ces quatre amotes. Et puisque on considère ça comme une longue melacha, alors pareil pour le vin. Dès qu'il a soulevé le vin avec l'intention de l'offrir, d'en faire une offrande à la Vodazara, depuis qu'il a soulevé le vin, déjà, c'est comme le début de l'action du Nissour, ou qui le rend chayav mita, comme quelqu'un qui a fait un sacrifice à la Vodazara. Et puisqu'il est chayav mita, il est pas tour de payer. C'est ce qu'on pensait au début de dire qu'il n'est pas tour dans Menaser. Ou le Bassar, c'est vrai qu'il est Rabbi Irmiya. Et ensuite, les Rachamim ont dit non, il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne tient pas comme Rabbi Avin, on tient comme Rabbi Irmiya. Dama Rabbi Irmiya, Mishat Akba Kanya. Dès qu'il a soulevé le vin, il l'a acquis. Il Chayav les Mamon, ça le rend Chayav de payer. Mitrayav Benafsho, mais Chiyuv Mita, il n'a que le Aveachat Nisour, que quand il verse le vin devant la Vodazara, que quand il offre, il fait le sacrifice à la Vodazara. Puisque ça se fait en deux étapes, en deux temps, donc il est chayav. Il est chayav de payer, et il est aussi chayav mita, c'est pas contradictoire. Peut-être que Rabbi Irmiya est d'accord avec Rabbi Avin en ce qui concerne la flèche. Mais en tout cas, en ce qui concerne le vin, puisque ça se partage en deux temps, en deux étapes, il a soulevé le vin, il est chayav de payer, il a offert à la Vodazara, il est chayav mita, donc il ne sera pas tour de payer. Il restera, et c'est pour ça que la conclusion était de dire qu'il est chayav de payer. Ravuna Bariouda Eklalebe Evioni. Donc, Ravuna est arrivé à un endroit qui s'appelle Avioni. Atalekamed Rava, il est arrivé chez Rava. Amar le Klou Masse Baliadra, il lui a demandé, est-ce qu'il y a une Sheila qui est arrivée chez toi? Rava, quand au retour de Ravuna Bar Yehuda, de cet endroit-là de Avioni, il a dit, est-ce qu'il y a une Sheila intéressante là-bas, quand tu es arrivé là-bas, on a profité de ta visite pour te poser des grandes Sheilotes? Amar le, il a dit, oui, il y a eu un problème comme ça. Israël Shansu Ovde Kochavim. C'était un juif qui a été forcé par les Goïm, et donc il a dû montrer vers Amamon Chavero, Baliadi. Et une Sheila comme celle-là est arrivée entre mes mains,
est arrivé chez moi, c'est-à-dire un goy a forcé un juif et lui a montré un bien de son ami, v'chiyavti, et je l'ai rendu chayav. Amar le Rava lui a dit, Adar uvdale mare, va rembourser au chayav. Tu l'as rendu chayav, va lui payer maintenant. De Tanya, Israël shansov de kochavim vera la mon chavero. Pas tout. On a pris dans une braïta un juif qui a été forcé par les goyim. Il a dû montrer l'argent, les biens de son ami. Il est pas tour. Donc ici aussi, il doit être pas tour. Quand est-ce qu'il est chayav? C'est que si vraiment il a pris de ses propres mains, il a donné au goy, c'est là où il est chayav. Donc, vim natal venatan beyad, chayav. S'il a pris, il a donné au goy, c'est là qu'il est chayav. Amar rabba imera matmo, kenasa venatan beyad dami. Si le juif de lui-même, sans pression du goy, il a montré au goy le bien de son ami, même s'il ne l'a pas pris, il l'a donné aux mains du goy, il est quand même chayav. C'est comme s'il avait pris de lui-même. Haou gavra d'ansou avde kochavim. Il y avait un homme, un juif, qui était forcé par les goyim. Ve'achve achmera de rav mari bere de rav pinchas bere de rav chizda. Et donc, sous la pression, il leur a montré l'âne de rav mari. Rav mari, fils de rav pinchas, fils de rav chizda. Amarle, le goy a dit au juif, dare ve amtiba dan, prends le l'âne et amène-le-moi, accompagne-moi pour me l'amener là où j'ai besoin. Et le pauvre juif, il a dû le faire, donc dare ve amtiba dayu, il a dû porter l'âne et l'amener là-bas, l'amener chez le goy. Atale kamed ravashi patrine, il est allé chez ravashi, ravashi a dit qu'il est pas tour. Peut-être que Khamra ici c'est du vin et pas un âne. Donc le vin il se porte plus qu'un âne, plutôt qu'un âne. Le mot Khamra en général se traduit soit comme un âne, soit comme du vin. Ici dans le contexte on dirait un peu que c'est plutôt du vin. En tout cas, un âne ou du vin, bref, il a amené ce vin ou cet âne, il l'a amené chez le goy ou chez le roi. Et donc il est allé chez Ravashi, Atalekam de Ravashi, patriné, il a dit qu'il est pas tour. Amre le Rabbanan le Ravashi. Les Chachamim ont demandé à Ravashi, mais pourquoi il est pas tour? Va à Tanya. On a pris dans la Braïta, il n'a Natan Beyad Chayav. Quand il a porté de ses mains, quand le juif a pris l'objet de son ami et il l'a donné au roi, il l'a dénoncé, il l'a donné au roi, au goy, il est Chayav. Amar l'anemi le Chadel Ukme, il avait Meikara. Quand est-ce qu'il est Chayav quand il a pris l'objet? C'est que si, a priori, le goy n'avait pas visé cet objet-là. Aval Hechad Ukme, il avait Meikara. Mais une fois que le goy avait déjà désigner l'objet qu'il avait besoin, l'objet qu'il voulait prendre. Miklé Kalié. C'est comme si l'objet a déjà été brûlé, c'est fini, il est perdu. C'est-à-dire comme ça. Un juif qui vient amener chez le goy, un objet de son ami, il est chayav. Un juif qui, sous pression, a montré un objet sans le prendre, il est pas tour. Si maintenant, sous pression, il a montré l'objet, le goy a décidé de le prendre, il est pas tour. Quand ensuite, le juif, il transporte l'objet, il n'a plus endommagé son ami en transportant l'objet qui de toute façon était perdu dès que le goy avait décidé de le prendre. Donc ici, il sera aussi pas tout, même si c'est lui qui a fait les deux étapes. C'est lui qui a montré et ensuite c'est lui qui a transporté. Quand il a montré, il était pas tout. Et quand il a transporté, c'était déjà perdu pour le juif, pour le propriétaire. Donc il est à nouveau pas tout. Il ne sera chayav que si de lui-même il a amené. Avant que le goy n'ait désigné l'objet, est venu le juif et lui a amené, il a transporté l'objet, c'est là où il est chayav. Et il le Ravashi. Il objectait Rabbi Avo à Ravashi. Amar le Anas, achète l'ipkia amirze, ou eshkol anavimze. Il a dit, le Anas, le goy, lui a dit, donne-moi cette laine, donne-moi ces raisins, veoshitlo, et le juif lui a donné. Chayav. Donc tu vois qu'il est chayav, même si le goy a déjà été décidé de prendre cet objet-là. Et que le juif le lui a donné. Il est chayav. Répond la Gemara Chalomayaskinan, qui gondekai betreivre denara. Il s'agit que c'était dans les deux côtés du fleuve. Le goy était d'un côté, et la laine ou les raisins étaient de l'autre côté. Et donc le goy ne pouvait pas les prendre tout seul. Dans ce cas-là, c'est pas considéré comme si c'était déjà brûlé ou perdu. Si le juif va lui donner, il sera chayav. Dikanam idektane hoshit, velotaniten. La Gemara le déduit aussi de la Braïta, parce que c'est écrit dans la Braïta, tends-moi cette laine, tends-moi ces raisins. C'est pas écrit donne-moi. Tant moi, ça veut dire que le goy était loin, il ne pouvait pas prendre tout seul.
Shmamina, tu vois de là que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il est chayav, mais sinon il n'aurait été pas tour. Haou, shuta. Shuta, Rashi dit, c'est une espèce de piège pour les poissons, pour les bêtes. Haou, shuta. Un filet peut-être. D'avoumanso à la betterie. Deux juifs, deux hommes se disputaient dessus, chacun disait ça à moi. Hayamar didiou, vayamar didiou. Lui disait ça à moi, l'autre disait ça à moi. Azal khadminay umsara le paragna de Malka. Est allé un d'entre eux, et il a donné au responsable du roi. Amar abaye echol lomar, anakimasre, dédimasre. Abaye dit, il est pas tout parce qu'il pourra dire, c'était à moi. Ce que j'ai donné, c'était à moi. Amar le rabat de chol kemine, rabat dit, ah bon, est-ce que tout est comme lui? Il n'a pas de preuve, il n'a pas d'argument, il vient, il décide que c'est à lui et il est pas tour. Et là, Marava, Meshamtin, elle a des maïtile. Donc, Rava dit non, on va le mettre en idou jusqu'à ce qu'il ramène le filet ici. Veka et Bedina, et qu'il se fasse juger, et qu'il aille se faire juger si c'est à lui ou c'est à l'autre. Aougabra d'Avabayar Vouye, Ativna de Chavre. Il y avait un homme qui voulait dénoncer le foin de son ami. Atalekame de Rav. Amarle lo tarve ve lo tarve. Il est allé chez Rav, Rav lui a dit non, tu n'as pas le droit de le montrer au goy. Tu n'as pas le droit de le montrer au goy. Amarle marvina ou marvina. Il a dit, je vais le montrer, je vais le montrer. Yativ Rav Kana kamede Rav. Rav Kana était assis devant Rav, il a vu la chutzpah de ce juif là, de cet homme là, qui allait dénoncer l'argent de son, le bien de son ami, ça s'appelle un moser. Shamtele kou emine. Il lui a donné un coup, et ça l'a tué. Il lui a donné un coup sur la nuque, le cou, et il l'a tué. Kari Rav il avait, Rav a dit sur lui le pasouk, Banaich ulfu shachvu berosh kol chutzot ketom ichmar. C'est un pasouk qui compare les fils d'Israël, qui étaient raffaiblis et se couchaient sur les rues, ketom ichmar. Tom ichmar, to, c'est un taureau sauvage. Matoze kevan shenafa le michmar. Michmar, ça veut dire dès qu'il est il a été attrapé dans. Il est tombé dans son piège. Dès qu'il est attrapé, En Merachmin Alav, on n'a plus pitié de lui. Af Mamonis Shel Israël. De même, les biens d'Israël. Kevan Shenafal Biadov de Kochavim, En Merachmin Alav. Dès qu'il arrive entre les mains du Goy, c'est fini. C'est du perdu. Ils n'ont plus pitié de lui. Et donc, en fait, Rav voulait justifier Rav Kana qui a tué ce Moser-là, ce dénonceur. Un Moser, on le tue. Amale Rav Kana. Rav Kana a dit. Adaïdna vous parlait de l'okab d'Ashfichu Damim. Jusque-là, c'était les Perses qui dominaient. Et les Perses, ils s'en fichaient des meurtres. Ve'ashta ikayavna et des kab d'Ashfichu Damim. Maintenant, c'est les Grecs. Et les Grecs, ils vont maltraiter, ils vont punir Rav Kana qui a tué ce juif-là. Ve'amre Mardin, ils vont dire, voilà, il y a eu un meurtre ici, ils vont punir Rav Kana. Donc, Rav lui dit, Kum sak le hara de Israël. Peut-être que c'est Rav qui depuis le début a dit, s'est adressé à Rav Kana en l'appelant Rav Kana. Il dit, écoute, ici maintenant tu es en danger, et donc il faut que tu te lèves et que tu ailles en Eretz Israël pour te sauver d'ici. Ve kabil alach de le takshel Rabbi Yochanan Shevashnin. Prends sur toi pendant sept ans, de ne pas objecter Rabbi Yochanan dans son shiur, et ça te servira comme kapara pour ce qui s'est passé ici, que tu as dû tuer quelqu'un, Beshogeg, même si c'était permis, mais il faut quand même une kapara. Azilash kechel Resh Lakish. Il est arrivé Rav Kana en Eretz Israël. Il a vu Resh Lakish, diati vekamesayim et tivta diom ale rabanan. Resh Lakish qui a enseigné au Chachamim, à la Yeshiva, et qui répétait donc le cours de Rabbi Yochanan. Amar le Resh Lakish echa. Rav Kana leur a demandé où se trouve Resh Lakish. Amroule, ils lui ont dit Amai, pourquoi tu demandes? Amar le haïkushia, vaïkushia, vaïperuka, vaïperuka. Il leur a dit, voilà, sur le cours de Resh Lakish, j'ai telle et telle question, telle et telle réponse. Amroul et le Resh Lakish. Ils sont allés répéter à Resh Lakish. Azal Resh Lakish Amar el Rabbi Yochanan. Resh Lakish est allé chez Rabbi Yochanan. Et il lui a dit, Ari Alami Bavel. Un lion est monté de Bavel. Les Ayenmar ben Metiv Tadele Machar. Prépare bien ton cours, que mon maître prépare bien son cours de demain. Les Machar votre voix Bedarakama. Ou peut-être les Ayenmar ben Metiv Tadele Machar, ça veut dire, que demain, pendant ton cours, tu vérifies comment le placer, selon son kavod, selon son niveau. Effectivement,
Les Machaot voient Bedarakama, Kamed Rabbi Yochanan. Le lendemain, ils ont placé Rav Kana dans la première rangée devant Rabbi Yochanan. Amar Shmatetav Lakshe, Shmatetav Lakshe. Rabbi Yochanan disait une halakha et Rav Kana ne l'objectait pas. Une deuxième, il n'objectait pas. Parce qu'il avait convenu avec Rav de pendant 7 ans se taire. Anchete Achore Shevadare. Et donc, au fur et à mesure que Rabbi Yochanan voyait que Rav Kana n'objectait pas à son cours, n'avait pas de questions, il l'éloignait. Il a éloigné comme ça 7 rangées. Parce que les élèves les plus éloignés étaient les élèves de moins bon niveau. Ad de Utve Bedar Abadre, jusqu'il arrivait dans la dernière rangée des élèves. Amar le Rabbi Yochanan Rabbi Shimon Lakish. Donc Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish. Arish Amar Tanasa Shual. Le lion dont tu as parlé est devenu un renard. Amar Rav Kana s'est dit. Yer Avadan et Shevadare, Levu Chilup Shevashnin. Yer Avayi Raton. Que ces 7 rangées d'élèves qu'on m'a rabaissé à me retirer de plus en plus correspondent aux 7 ans que je me suis engagé de ne pas objecter. Et donc maintenant, dorénavant, d'Amar li Rav, que Rav m'a dit de ne pas objecter. Donc dorénavant, j'ai le droit de participer au cours. Kam Akaré, il s'est levé sur ses pieds. Amar le Nadernar Beresha. Et Rav Kana dit à Rabbi Yochanan que mon maître recommence son cours. Amar Shmateta Ve'akshe. Rabbi Yochanan a dit, donc, a répété son cours, il commence par dire une halakha et Rav Kana l'objecte. Ukme Vedarakama. Et donc, au fur et à mesure, il a ramené jusqu'à la première rangée. Amar Shmateta Ve'akshe. Et donc, en fait, Rabbi Yochanan a répété son cours et quand il a vu que Rav Kana l'objectait, il a remis. Il a remis tout de suite à la première rangée. Et Rabbi Yochanan continuait son cours et Rav Kana continuait à l'objecter. Et la Gemara raconte donc, Rabbi Yochanan avait Yativ Asheva Bastreke. Il était assis, Rabbi Yochanan, sur 7 coussins. Shalfelechada Bastreke Mitute. Ils lui ont enlevé un coussin dessous lui. Amar Shmateta Ve'akshele. Et Rabbi Yochanan continuait à dire encore un chidouche, une halakha. Rav Kana continuait à l'objecter. Et au fur et à mesure, il a enlevé ses coussins. Ad de Shalfele Kulu Bastreke Mitute. Jusqu'à ce qu'ils ont retiré tous les coussins en dessous de Rabbi Yochanan. Jusqu'à ce que Rabbi Yochanan était assis par terre. Donc Rabbi Yochanan demandait qu'on le rabaisse à chaque fois que Rav Kana l'objectait. Rabbi Yochanan Gavra Savava. Rabbi Yochanan était un homme très lourd physiquement. Ou Masrechek Vine. Savava, en fait, ça veut dire qu'il était vieux. Il était vieux et aussi il était lourd physiquement. Et donc ses paupières couvraient ses yeux. Il donnait son cours avec les yeux fermés. Amar Lehu, il leur a demandé Daluli Enai Ve Arzeye. Ouvrez-moi les yeux, je veux le voir. Dalule be makralta de kaspa. Ils lui ont ouvert les yeux avec makralta de kaspa, ça doit être des pincettes en argent. Et donc, il l'a vu en face de lui, enfin, cet élève, ce lion-là de Rav Kana. Chaza de patesi voute. Il a vu que Rav Kana avait les lèvres fendues. Il a dû se blesser une fois. Savar achur kamecha yerbe. Rabbi Yochanan croyait que Rav Kana se moquait de Rabbi Yochanan. Se réjouissait de sa réussite en face de Rabbi Yochanan. Chalash date venach nafshe. Rabbi Yochanan s'est vexé de voir Rav Kana qui, comme ça, riait de lui. Et à cause de ça, Rav Kana est niftar sur place, sur le coup. Les machar au lendemain, le lendemain, amar le Rabbi Yochanan, le Rabbanan. Rabbi Yochanan a dit au Chachamim, chazitou le bavla et chiavit, vous avez vu ce babylonien là, comment il fait, il rit de moi. Amrou le dark et achi, ils lui ont dit, mais non, mais c'est comme ça qu'il est physiquement, c'est pas qu'il riait de toi, c'est qu'il avait la lèvre un peu blessée. Al le gabé meharta. Rabbi Yochanan, en voyant ce qu'il a fait, il est rentré dans la grotte où était enterré Rav Kana, et il voulait, on verra tout de suite comment il voulait s'excuser auprès de Rav Kana sur le fait qu'il lui a causé de la mort. Chaza de Havahadra, on tourne la page, de Havahadra le Achna. Il a vu qu'il y avait un serpent qui entourait la grotte pour protéger et ne pas laisser les gens rentrer. Et le serpent ne laissait pas rentrer les gens. Amar le Achna Achna Ptar Poumer. Rabbi Yochanan lui a dit, serpent, serpent, ouvre ta bouche, parce qu'il avait la queue dans la bouche. Ve yikane sarav et sel talmid, et que le maître rentre chez son élève. Velopatar, le serpent n'a pas ouvert. Yikenes Raver et El Raver, Velopatar. Rabbi Yochanan a dit, alors que rentre un ami chez son ami, il lui a pas ouvert. Yikenes Talmid et El Rav, Patachre. Quand Rabbi Yochanan a dit au serpent, laisse rentrer l'élève chez son maître, il lui a ouvert.
Barachme veukme. Rabbi Yochanan, donc il avait un petit problème technique. Il voulait s'excuser auprès de Rav Kana, mais bon, Rav Kana était déjà mort. Alors Rabbi Yochanan, la solution la plus simple était de prier. Et effectivement, Rav Kana s'est réveillé. Amarle yavayadana de darke de marachi. Rabbi Yochanan a dit à Rav Kana, si je savais que c'était comme ça que mon maître, toi, c'est ton habitude d'être comme ça, c'est pas que tu ris de moi. Le chalchadati, je me serais pas vexé, tu serais pas mort. Hashtaleti marbadan. Bon, maintenant que tu reviens avec nous. Amar le Rav Kana lui a répondu. Imatit le mibei rachmed et tout le shachivna, si tu peux prier que je ne vais pas remourir de ta vexation, si je t'objecte, Azilna, je suis prêt à revenir avec toi au Batamidrash. Veilola Azilna, sinon je viens pas chez toi, je rentre chez moi, je retourne pas à ton Batamidrash, je ne peux pas risquer encore une fois de mourir. Hoil ve Khalif Shata, Khalif, puisque Khalif Shata, le moment est passé, il est passé. C'est-à-dire, s'il y a un miracle que je me suis réveillé cette fois-ci, c'est pas la preuve que ça se refera facilement. Donc, si tu ne peux pas me promettre qu'il n'y aura pas encore une fois un problème, alors je ne suis pas prêt à revenir, à retourner avec toi. Taïre, il a réveillé, Oukme, et il a tenu, il a dressé, Shaile kol sfeka de havale. Et Rabbi Yochanan donc lui a demandé à Rav Kana tous les doutes, tous les sfekot qu'il avait. Ou pashtinu niale. Et il lui a répondu. Rav Kana a répondu à toutes les questions de Rabbi Yochanan, toutes les questions. Haïu dama Rabbi Yochanan, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit. Dilhon amre. Dilhoni. Je pensais que la Torah était à vous, vous les étudiants d'Eret Israël. Je vois que finalement, non, la Torah, elle est plutôt chez les Talmidei Chachamim de Babel. Haïu d'ach ve'amtaksa. De Rabbi Abba. Il y avait un homme qui a dénoncé, mais taxa, ça doit être un bijou en soi de Rabbi Abba. Yativ Rabbi Abba, Rabbi Khadila Barpapi, Rabbi Yitzhak Nafra, ils étaient assis ces trois chachamim là. Yativ Rabbi Lagabayou, Rabbi il était avec eux. Savolech Yuve, ils pensaient le rendre chayav, mais adetnan, comme on a vu dans la Mishnah. Dan et Adin zikat achayav vichyev et azakai. Un juge qui a jugé qu'il s'est trompé, il a dit sur le chayav qu'il est patour, sur le Patour qu'il est chayav. Ou bien timet ator vetier et tamé. Sur le tor il a dit tamé, sur le tamé il a dit taor. Machasa asui vechalami beto. Ce qu'il a dit est fait et il doit rembourser de sa poche, de sa maison. Et donc cet homme-là aussi, qui a dénoncé l'argent de Rabbi Abba au Goy, devrait lui payer. Amal Rabbi il a achiam à Rav. Rabbi il a dit non. Rav a dit dessus. Il n'est chayav que s'il a pris de sa main et il a donné au goy, sinon il n'est pas tour. Amrile, ils lui ont dit, Zil le gabed Rabbi Shimon ben Eliakim et Rabbi Elazar ben Pedat. Va chez ses chachamim la Rabbi Shimon ben Eliakim et Rabbi Elazar, de Dainedina de Garmi, qui eux, ils rendent chayav même dans un cas de Garmi. Aza le gabayou, chay vemi matnitin. Il était allé chez eux, effectivement ils ont dit qu'il est chayav, que le dénonceur est chayav de payer même s'il n'a pas pris de ses mains pour donner au goy. Rien que par le fait qu'il a montré au goy, ça le rend déjà chayav. Et eux, parce qu'ils pensaient que, parce qu'eux ils tiennent que dans Garmi on est chayav. Et donc il le prouve même de notre Mishnah, mimat nitin machmat agazlan chayav la midos adéacher. Dans la Mishnah on a vu que si le goy a pris le champ à cause du voleur, le voleur doit rembourser au propriétaire un champ. Il s'agit que le voleur n'a rien fait ici, il n'a simplement que montré le champ au goy. Et le gars, il a pris, donc là, il doit le payer. Donc, tu vois que dans notre Mishnah, on a une preuve aussi qu'il est chayav même s'il n'a pas pris de ses mains, parce qu'en général, on ne prend pas un champ avec ses mains. Simplement, il a montré au goy. Le gars, il l'a pris, ça le rend chayav déjà. Aougavra davamav qui les casse à des casse pas. Un homme, on lui avait confié à garder une coupe en argent. Slikougan veil avait, et sont venus des voleurs chez lui. Shaklaya valeu. Il a pris la coupe en argent, il leur a donné. Atale kamed rabba patre. Il est allé chez Rabba, il a dit qu'il est pas tour. Amale Abaye, Abaye a demandé à Rabba pourquoi il est pas tour. Cet homme-là est en train de se protéger en donnant l'argent de son ami. Il est chayav. Et la maravashi chazinam. Ravashi dit, il conclut, il dit en fait, il faut voir. Si cet homme-là était un riche, les voleurs quand ils sont venus chez lui, ils sont venus pour
le vola lui-même. Et donc, il n'avait pas à donner la coupe de son ami. C'est pas ça, c'était pas ça leur intention de voler. Et donc, il est chayav. Ve'ilo, mais si c'est un homme simple, pauvre, adat de kaspa atu. De toute façon, les voleurs sont venus prendre la coupe en argent. C'était ça leur intention. Donc, quand il leur a donné, c'était déjà perdu. Avant qu'il leur donne, c'était déjà perdu, donc il est pas tour. Il y avait un homme qui devait garder, qui gardait une bourse de Pidyon Shvuyim, rachat des prisonniers. Sliku, Ganve, il avait. Sont venus des voleurs chez lui. Shaklayavani Alayu, il a pris la bourse, il leur a donné. Atalekamed Rava, patre. Il est allé chez Rava ou chez Rava, il a dit qu'il est pas tour. Selon le Bar, il faut dire Rava. Amarle Abaye. Abaye redemande à Rabat pourquoi il est pas tour. Un homme qui se protège en donnant l'argent de son ami ou en abîmant le bien de son ami, il est chayav. Rabat lui a répondu, tu n'as pas un plus grand pidyon shvuim que ça. Quand un voleur y rentre chez quelqu'un, le balabait est en danger. Et donc maintenant, quand il prend une bourse de pidyon shvuim pour donner au voleur, il est finalement en train de se racheter comme prisonnier. De se racheter comme un prisonnier qui se rachète pour se libérer. Et donc, tu n'as pas un meilleur pidyon shvuim que celui-là. Il avait le droit donc d'utiliser cette bourse pour se protéger. Aougavra de Akdim Vasikramra le Mavra. Un homme a mis son âne dans le bateau. Kamedeslikouin Chebe Mavra. Avant que les autres rentrent dans le bateau. Bailat Boué. Et l'âne, il s'excitait, il allait faire couler le bateau. Ataou Gavra Malach le Khamra. Daou Gavra, est arrivé un homme, il a poussé l'âne de cet homme-là, Veshadelenahara Vetava. Il a jeté donc dans l'eau, et il s'est noyé, il a coulé. Atalekamed Rabba, patré. À nouveau, Rabba a dit qu'il est pas tour. Amarle Abaye, Abaye lui redemande une troisième fois, Vermatil Asubo Bemamon Khavero, un homme qui se protège en abîmant le bien de son ami, il est Khayav. Amarle Aimekara Rodef Hava. Rabba a répondu, ici, cet âne-là, où l'homme qui a mis son âne ici, c'est un rodef. C'est comme quelqu'un qui court après son ami pour le tuer, et on a le droit donc de se protéger en lui prenant son bien, en abîmant ses affaires. Et donc ici, l'âne qui mettait en danger tout le bateau, on a le droit de le jeter dans l'eau. Rabba l'étamé. Rabba qui a dit ça, suit son opinion qui a dit, d'Ama Rabba, rodef shaya rodef achachavero le orgo. Un homme qui courait après son ami pour le tuer. Veshiber et akelim. Et il a cassé des ustensiles. Ben shel nirdaf, ben shel kol adam, patour. Si le rodef a cassé des ustensiles, aussi bien de celui derrière qui il court que de quelqu'un d'autre, il est patour de toute façon. Pourquoi? Shari mitrayev benafsho. De toute façon, ce rodef-là, il est chayav mita. Ça veut dire qu'on peut le tuer pour protéger l'homme qu'il veut tuer. On a le droit de tuer le rodef. Si on peut tuer le rodef, il se trouve donc que le rodef, en fait, est en train de faire ici quelque chose pour laquelle il est chayav mita. Et s'il est chayav mita, alors tout ce qui va endommager en chemin, il n'aura pas à payer. Donc si ce rodef-là, en chemin, il a cassé des affaires, des objets, il est pas tour. Pourquoi? Parce que kam lebede rabamine, il était déjà chayav mita à ce moment-là. Venirdav, jeshiber et akelim shel rodef, pas tour. Si le nirdav, cet homme-là, qui est en danger, quand il s'est sauvé, il a cassé les affaires du rodef, il est pas tour. Pourquoi? Chez l'Oyemamono, Khavivalav Migoufo. Son argent n'est pas mieux que son corps. Si maintenant le Nirdaf avait le droit de tuer le Rodef, qui risque de le tuer, bien sûr qu'il a le droit de casser aussi ses affaires. Aval Shel Koladam Khayav. Mais si maintenant le Nirdaf, en se sauvant, il a cassé des affaires des autres, pas du Rodef, il est Khayav. Pourquoi? On n'a pas le droit de se protéger en abîmant les biens de son ami, il doit les payer. Si maintenant quelqu'un courait après le rodef pour le rattraper et sauver l'homme qui est en danger, et en chemin il a cassé des affaires, ben shel nirdaf, ben shel kol adam, patour. Aussi bien s'il a cassé les affaires du nirdaf, donc de l'homme qui était en danger, qui devait se sauver, que de quelqu'un d'autre, il est patour. C'est pas que c'est comme ça le din de le rendre pas tout réellement. Et là, chez Im, il y a ta omerken, mais simplement, si tu ne dis pas comme ça, en echa adam shematil et travero mina rodef.
personne ne va sauver son ami du Rodef. Et donc, c'est une takana des Chachamim que pour que les gens ne se gênent pas, n'hésitent pas à sauver leurs amis du Rodef, eh bien, ce qui va casser en chemin, il ne sera pas tour. Mishnah suivante. Shtafanar, Omer Darech Elcha Lefanecha. Il a volé un champ. Le champ était inondé par le fleuve. Le voleur peut lui dire, voici ton champ, tu le récupères tel quel. Tanu Rabbanan. Agozal Sadem Chaverou Shtafanar Chayav. Donc nous avons aussi dans la Braïta un cas comme ça où il est Chayav. Chayav l'amido Sadeh Acher, dit Rabbi Elazar. Donc selon Rabbi Elazar, pas comme dans notre Mishnah, il doit lui payer un champ. Il ne peut pas lui dire, voilà, récupère ton champ tel qu'il est inondé. Donc Chachamim Omrim, Omer la Rechel Khalifanecha. Mais Chachamim disent non, il peut lui dire, récupère ton champ tel quel. Mais Maïk Amiflege, quelle est leur machloket? Rabbi Elazar Darash Ribouye Omiyute. Donc on sait bien que dans les Psukim, il y a deux manières de faire les raisonnements des drashot. On peut dire dans un pasuk ribouy ou miout, on peut dire klal ou prat. La Gemara s'explique ici, donc Rabbi Elazar, il pense ribouy ou miout, et donc ça marche comme ça. Le pasuk dit, vechichash ba'amito, si un homme, il nie à son ami, il lui dit, non, je t'ai pas volé. Ribouy, ici la Torah, elle a tout inclus dedans. Pour n'importe quel vol, il est chayav. Bepikadon, dans un gage, miette. La Torah ici a exclu, elle a parlé, elle n'a pas exclu, c'est un miout. C'est un miout qui veut dire qu'un gage et pas autre chose. Donc on est venu lui exclure quelque chose. Et la suite du pasuk, quand la chari shavala vla sheker, pour toute chose sur laquelle il a juré à faux, chada veriba, la Torah à nouveau vient réinclure. Donc riba ou miyat veriba, riba akol. Il se trouve donc que le pasuk ici vient inclure, exclure et réinclure. Tout est inclus sauf une chose. Ou maïrabé rabé kolmile, qu'est-ce qu'on a à inclure tout? Tout vol doit être rendu. Ou maï miet miet shtarot. On a à exclure qu'une seule chose, qui sont les shtarot. S'il a volé des shtarot, il pourra lui dire à Rachel Khalifanecha. Quand il a volé des shtarot, la Torah ne l'a pas rendu chayav. Parce que le shtar n'est pas un bien en soi, c'est que du papier. Dans ce shtar-là, il y a une dette, il y a des engagements, mais c'est que du papier. Donc sur ça, la Torah n'a pas dit qu'il est chayav. Sur le reste, il est lui chayav. Donc s'il a brûlé le shtar, il va lui payer que le papier. Il n'aura pas à lui payer toute la dette. Mais si c'est un champ, il doit lui payer le champ. Même si le champ est inondé, il s'est abîmé, il va le lui rendre tel quel. Ça, c'est Rabbi Elazar. Non, je reprends. Le pasouk a dit dans tous les cas, il est chayav. Donc même dans des terrains, il est chayav de payer. C'est que dans les shtarot que je dis, il ne lui paye pas. Dans les shtarot, il lui dit, c'est que dans les shtarot où on dira qu'il ne lui paye pas la dette, il pourra lui dire, voilà, si je t'ai brûlé un papier, je te rends un papier. Ce n'est pas une question ici de la shel khalifanecha. Simplement, il est chayav de lui payer la dette. Parce que le shtar n'est pas le bien en soi. C'est qu'une preuve. Donc d'après Rabbi Lazar, il est chayav même pour le champ. Mais selon les Chachamim, non. Les Rabbanan d'Arche, Klal ou Prat. Et les Chachamim, ils font une autre dracha sur le pasouk. Et ils disent que c'est un Klal ou Prat. Klal, c'est une généralité. Prat, c'est un détail. C'est pas que la Torah vient inclure et exclure, ou là tu dirais, elle a tout inclus sauf une chose. C'est une généralité et des détails. Et dans ce cas-là, tout ce qui ressemble au détail sera inclus. Et ce qui non, non. Et donc on va dire le pasouk comme ça. De Chichesh, Klal. Il a nié, il a volé. C'est un klal. C'est une généralité pour toute chose. Le picadon, prat, le gage, c'est un détail. Omikol, chazav et kalal. Ou pour toute chose qu'il a juré à faux, il est chayav de payer. À nouveau, c'est un nouveau klal. Nous avons ici donc klal ou prat ou klal. Et atadan et la kena prat. Quand nous avons un klal ou prat ou klal, on dit tout ce qui ressemble au détail est inclus. Ma prat devar amitatel ve gufo mamon. De même que le prat, le détail qui est un gage, c'est quelque chose qui est mobile et qui est en soi un bien. Afkol devar mitatel le gufo mamon. De même, tout ce qui rentre dans cette définition-là, il est chayav dessus. Et si tu dis qu'on est soumis à cette définition, alors on va exclure plusieurs choses pour lesquelles il ne sera pas chayav. Donc, il y a tout cas, kot shel mitaltelin. Les terrains ne sont pas des biens mobiles. Il n'est pas chayav. Il pourra lui dire sur son terrain, le voilà, prends-le tel quel. Il y a tout avadim shukshu le karkaot. Les esclaves aussi ont été comparés dans les sukim au terrain, donc aussi, il pourra lui rendre tel quel, il n'est pas responsable plus que ça.
même si l'esclave a vieilli, il a volé à 20 ans, il a rendu à 120 ans, vivant, c'est bon, il est quitte. Il y a tout shtarot, ça fait piche et metalteline. On exclut de là aussi les shtarot qui, même si c'est mobile, et pas comme un terrain, ça ressemble quelque part à un gage, mais engoufa namon, il n'a pas une valeur d'argent en soi. Et donc, ça, c'est les chachamim qui ont dit, qui peut lui dire à Rechel Khalefanecha, voici ton terrain, récupère-le tel quel. Demande la Gemara va d'Etania et cette braïta là qui dit, à Gozel taparaush tafanar, un homme qui a volé une vache, et venu le fleuve, il a prise, chayav la mid l'opara, il doit lui rendre une vache, livrée Rabbi Elazar. La chachamim omrim, omer la Rechel Khalefanecha, selon chachamim, il peut lui dire, voilà, elle est ici dans l'eau, prends-la. Hatam et Maïkami flagué, quelle est leur machloquette? À nouveau, nous avons une marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim. Comment on va l'expliquer? Pourtant, la vache, c'est pas un terrain. La vache, c'est pas un shtar. La vache, c'est un bien qui a une valeur en soi et qui est mobile. Pourquoi il serait pas tout? Pourquoi la marloquette? Répond à Gemara Mara, papa, tamemayaskina, de quoi il s'agit là-bas? Kegonche Gazal, Sadem et Chavero, il a volé un champ. Veita para revutsabo. Il y avait une vache sur le champ. Et lui, il a pas touché la vache. Il a simplement volé le champ. Ushtafa Nahar. Et maintenant, tout a été inondé par le fleuve. Chacun suit son opinion. Selon Rabbi Elazar, qui pense qu'un terrain peut être volé, alors il a acquis le terrain et il a acquis en même temps la vache. Donc il doit la payer. Selon les Chachamim qui disent un terrain n'est pas volé, il peut lui dire le voilà, prends-le tel quel. Alors puisqu'il n'a pas acquis le terrain, la vache non plus n'est pas acquise. Donc il ne sera pas tour aussi sur la vache. Et donc ça c'est la marloquette de Rabbi Elazar et les Chachamim, aussi bien sur le terrain que sur la vache, que selon Rabbi Elazar, il a acquis le terrain et la vache, il est chayav sur le terrain et sur la vache. Selon les Chachamim, il n'a pas acquis ni le terrain ni la vache, et donc il n'est pas tour aussi bien sur le terrain que sur la vache.